Salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un haul de chez DM. Donc oui, vous me voyez souvent habillée pareil, mais je tourne les vidéos au fur et à mesure. Voilà, je suis désolée. Donc là, je fais le haul DM parce que l'autre, il était déjà assez long, donc je pouvais pas tout mettre ensemble. Alors, comme d'habitude, ils ont des nouvelles collections été pour les produits vaisselle et j'adore. Donc là, ils ont fait figue. Oh, c'est trop délicieux, figue. Voilà, et il y a pomme-fleur. Je kiffe. Leur liquide vaisselle, il marche super bien pour même pas, je crois, 1 euro. Donc, il coûte à peu près, je crois, 50 centimes, un truc comme ça. Ouais, moins d'un euro, c'est sûr. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai repris mes sprays favoris de la marque DM. Ceux-là, ils sentent super bon. Tout le monde, à chaque fois que quelqu'un rentre chez moi, me dit « Ah, ça sent trop bon, ça sent trop bon. » Bah, c'est ceux-là, en fait. C'est ceux-là. J'ai senti les autres, ça sent les chiottes. Mais ça fait 3 fois que j'y retourne et 3 fois je prends les mêmes. C'est trop bien, je les prends à chaque fois en double et ils tiennent super longtemps. Ils tiennent 1 mois. Hein. Ça fait déjà 1 mois que j'ai l'autre et ils marchent encore. Et à chaque fois, ça fait un spray toutes les 15 minutes, je crois. Et ça reste, ça sent super bon chez moi quand on rentre. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petites miniatures comme ça pour la piscine, pour les enfants, pour la rentrée. Donc j'ai pris Brésil. Ils sont un peu le monoeil, un truc comme ça. Et j'ai pris le menthe. Et le menthe, ça sent trop bon, ça rafraîchit, c'est trop bien ça. Voilà, des petites miniatures. Ensuite j'ai pris cela pour moi, orchidée ylang ylang. Ça sent tellement bon. Et c'est, je vais regarder la prochaine fois parce que je suis allée au rayon échantillon. Du coup, j'ai pris ça pour tester les petits trucs. Et en fait, si celui-là, il existe en grand pot, je vais le prendre en grand pot. C'est de la crème de douche. Voilà. Alors, ensuite, j'ai pris en miniature un shampoing caféine. Je sais plus. C'est un truc tout naturel. Il sent bon. Et je pense que ça va soigner les cheveux. Il est comme ça. J'avais déjà pris la dernière fois, mais je sais pas, je crois que je l'ai donné à un des petits pour aller à la piscine, au shampoing, je sais plus. Du coup, moi, je l'avais pas testé. Alors, j'ai repris un eyeliner pour moi, donc mon favori, le noir. Voilà, de chez L'Oréal, j'en avais plus. J'ai emmené un eyeliner vide en vacances, du coup, il m'a rien servi. Donc, ouais, j'en avais plus, il fallait absolument que j'en rachète un. Et un crayon noir de chez NYX. Au moins, j'ai de nouveau mon petit stock de crayons. Parce qu'il n'y a que celui-là que je supporte. J'ai les yeux super sensibles. Des années, c'était celui de chez Yves Rocher. Mais depuis que j'ai découvert celui de NYX, il marque super bien. Il est gras et tout. Il est trop bien. Bah, je prends celui-ci. Parce qu'avant aussi, c'était la marque Front Cover. Mais Front Cover, on ne trouve plus trop en France niveau crayon. Et ça me fait chier de le commander sur Internet. Ensuite, en maquillage, j'ai pris... Ça, c'est quoi l'antivol? C'était dans un coffret comme ça. J'ai pris un... Fard à paupières crème, holographique pailleté, c'est à peu près comme les stylas, c'est un peu moins cher que les stylas, donc celui-ci il coûte 6 euros je crois, les stylas ils sont à 30, donc voilà ça donne à peu près le même effet, le même rendu, donc hop, et ça fait un peu pailleté comme ça vous voyez, donc moi je le mets à chaque fois en coin comme ça, donc j'ai déjà pris l'autre la dernière fois, il fait un effet blanc, bleu, holographique. Celui-ci il fait un peu rosé. Voilà, c'est les deux seules couleurs qu'il y avait. Donc vu que j'ai déjà le bleu, je ne l'ai pas repris. J'avais envie de tester le blanc nacré, le rosé comme ça, c'est pas mal. J'ai pris des cotons-tiges parce que je vais recharger ma boîte à cotons-tiges. Voilà. Et j'ai pris mes lingettes démaquillantes favoris au pamplemousse. Donc là j'ai pris 3 paquets. 1. 2 et 3, les mêmes. Je me suis pris un petit paquet de lingettes désinfectantes main parce que c'est toujours pratique, ça nettoie les WC, voilà, les mains. 99,99%, ça élimine les bactéries. Donc ce petit sachet de lingette est parfait. Ensuite, je me suis pris des protèges slip qui font slip et string en même temps. Et je me suis pris un spray anti-moustique et anti-tique. Parce que moi, ils viennent à chaque fois sur moi, les tiques. Tu peux aller n'importe où, t'es sûr, c'est pour ma gueule, les tiques. Donc là, en plus, ça sent super bon, ça sent pas le truc moustique qui pue. Ça sent vraiment
Je sais pas, la citronnelle. Ça sent vraiment la citronnelle, en fait. C'est trop bien, ce petit truc comme ça. Et les petits échantillons, ils sont toujours à moins d'un euro. Ils sont à 95 centimes, etc. Ensuite, je me suis pris de l'huile essentielle de patchouli, essence de bain, pour me relaxer dans le bain. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et c'est de l'huile de patchouli. Et comme ça, quand je prends mon bain, ça va me relaxer. Voilà, parce que j'ai décidé cette année de m'occuper un petit peu plus de moi maintenant, de me relaxer, de me faire des massages, etc. Et ensuite, j'ai voulu goûter cette petite bouteille en verre. Il y avait quatre goûts différents. Du coup, j'avais peur parce qu'il y a marqué que c'était que des vitamines. Je me suis dit, ça va être dégueulasse, mais en échantillon, ils le font. C'est bien pour goûter si tu veux pas acheter la grande bouteille tout de suite. Donc, j'ai pris ça et c'est juste délicieux. Ça a aucun goût de vitamine. Par contre, il y a toutes les vitamines pour faire pousser les cheveux, hein. D3, B1, B2, B6, B12, C, vitamine C, vitamine E, niacine, je sais pas ce que c'est, biotine, calcium, encore un autre truc, plein d'autres trucs. Du coup, je vais tester les trois autres qui restent. Et celle-ci, par contre, je vais m'acheter quand je retournerai chez DM les grandes bouteilles parce que je vais me faire une cure. Pour cet automne, vraiment, il y a toutes les vitamines que j'adore qui vont faire pousser les cheveux. Et c'est vraiment délicieux, ça a un goût de jus de fruits. Donc là, cette petite bouteille, je vais la garder pour acheter la plus grande la prochaine fois que j'y retourne. Voilà. Donc sur ce, moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!